Hey, hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une mini vidéo un petit peu semblable à celle que je vous ai postée il y a maintenant un mois sur l'AVP de Walking Dead, parce que c'est de nouveau d'une AVP dont je vais vous parler. C'est l'AVP de Coco, qui est le dernier Disney de Pixar. Alors Coco, il est sorti la semaine passée, donc mercredi passé, dans toutes les salles en Belgique, et j'ai eu l'occasion d'aller le voir. Maintenant ça fait deux semaines, trois semaines, donc en avant-première au White Cinema de Dox. Alors Coco, qu'est-ce que ça raconte? Eh bien, ça raconte l'histoire d'un petit garçon qui s'appelle Miguel, qui est fan de musique, qui veut être musicien, chanteur, etc. Et il en est empêché par toute sa famille, qui est complètement anti-musique pour des obscures raisons dont je ne vous parlerai pas, sinon je vais trop vous spoiler. Mais voilà, et donc un jour il décide de tout changer, de participer à un concours de musique, et pour ça il fait quelque chose qui va changer toute sa vie et la vie de sa famille. L'histoire se passe au Mexique, ça se passe pendant la fête des morts, qui est une fête traditionnelle folklorique mexicaine. Donc c'est un thème super intéressant. Pourquoi? Parce que tout simplement la fête des morts, c'est quelque chose de très spécial là-bas, et c'est vraiment très coloré. Il y a des guirlandes, des lumières partout, et c'est vraiment super bien redessiné. Très visuel pendant le film, et c'est vraiment la chose qui m'a le plus plu dans ce film, c'est vraiment tout cet aspect, tout cet univers super coloré, très mexicain du coup, très festif et vraiment sympa. Alors l'histoire, il y a beaucoup d'émotions, on rigole, on pleure, que ce soit de la joie ou vraiment de la tristesse, de beaucoup d'émotions. Pour vous dire, j'étais dans une salle où il y avait principalement des influenceurs, des blogueurs, des youtubeurs, et aussi quelques personnalités, animateurs TV, etc. Et je pense que franchement, à entendre la réaction de la salle, de manière générale, on a tous été complètement aspirés par le film, quand on était vraiment tous bien dedans. Et je vais pas trop vous en dire, mais vers la fin, trop d'émotions, petites larmes et tout. Franchement, c'était vraiment un super moment. Alors après la diffusion du film, qui a duré environ 2 heures je pense, on a eu droit à un event. Donc si vous avez regardé la vidéo précédente, vous avez vu que dans le White Cinema, à la droite de la salle, vous avez une espèce de grande salle tout en longueur avec un bar, et donc c'était dans cet espace là qu'on a eu droit à notre event. L'event, c'était pas comme celui de Walking Dead où il y avait des ateliers, etc. C'était plutôt un event animation, déco, etc. Donc en fait, ce qu'ils avaient fait, vous allez le voir dans la vidéo, dans un passage de la vidéo, à un moment vous voyez des guirlandes et tout ça, des guirlandes colorées, et ben ils ont pris exactement les mêmes, ils ont mis tout ça dans cette salle avec le bar. Ils ont fait venir des chanteurs mexicains, des danseurs mexicains habillés typiquement, ils ont fait des boissons, ils ont fait aussi un espèce de petit hôtel de commémoration avec aussi de la décoration typique, etc. Et dans les cadres, ils avaient mis des images du film. Franchement, c'était très chouette. Alors ce qu'on a fait en fait, c'est bêtement boire un verre, on a regardé un petit peu, on a mangé parce qu'ils avaient aussi, ils offraient aussi des tacos, du chili, etc. Et voilà, et c'était plutôt sympa. Il y avait assez bien de monde à cette AVP. Et puis on est reparti, on est revenu à la maison, j'étais avec une amie, et voilà, on a vraiment bien apprécié cette avant-première, c'était très chouette. Concernant la vidéo précédente qui était la VP de Walking Dead, sachez que j'ai posté hier ou avant-hier un article sur le blog avec les photos qui ont été prises aussi à cet événement. Bon, il n'y en a pas beaucoup, mais surtout je vous ai fait du coup un article sur The Walking Dead et pourquoi je trouve que cette série est absolument incontournable. C'est vraiment une de mes séries préférées, donc je vous invite à aller voir cet article sur le blog letiver.com et d'y laisser un petit commentaire si ça vous a plu. Voilà, je vous laisse avec le visionnage de la vidéo, je vous dis à bientôt, salut! Solo war, solo war, y que un día yo te vio andando en
sur